Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Alors, ce direct, c'est rapidement pour vous donner deux, trois astuces. Beaucoup d'entre vous. Je sais pas, je suis tombée sur un post sur TikTok et je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas moi. Tu dois être en mesure, tu dois pouvoir être en mesure de prendre la pression. Peu importe la façon dont la pression vient sur toi. J'ai dit bien, peu importe la façon. Tu te dis qu'il te faut 5 millions pour faire ton business. Babe, ce n'est pas 5 millions qu'il te faut. Parce que la plupart du temps, ce que vous dites que vous voulez faire avec l'argent, ce n'est pas viable. Vous savez qu'il y a des gens qui ont les magasins, non, les magasins de vêtements. Oh, j'ai mon shopping, j'ai mon magasin de vêtements. Elle ne vend pas. Elle ne vend pas. C'est son gars ou c'est son sugar daddy qui paye ce que tu vois. Chaque mois, elle a une allocation, elle a un argent qui part pour ça. Oh, tu vois comme c'est beau, il y a les lumières, il y a les perruques. Tu dis que tu veux partir faire. Vous tombez dans les marketing de réseau. On vous prend, on commence à vous parler des produits. Oh, fais comme ça, tu prends. Tu passes, sortir tes 500 000 que tu avais économisé, tu mets dessus. Ton argent ne doit pas être donné n'importe comment. Il y a une fois, j'ai fait une erreur. J'ai économisé mon argent. Et à l'époque, j'avais un ami. Pas un boyfriend, mais un ami, une connaissance. Quelqu'un de très courtois, très gentil, qui m'a aidé à établir certaines de mes activités. Il me dit, ouais, j'ai toujours voulu faire dans tel truc, dans tel business. Qui n'était pas son domaine de définition, car il avait déjà une activité principale. Il me dit, bon, je pense que le red flag que j'aurais pu voir, c'était déjà le fait que son estimation n'avait pas donné. Quelqu'un vient te dire qu'il doit faire un business, supposons, comme ça, 50 millions. Ok? Tu sors 50 millions, tu donnes. Il revient après un mois, il te dit que, ah, en fait, c'était 100 millions. Là, déjà, c'est déjà ton feu rouge. Quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, quelqu'un qui connaît là où il part, quelqu'un qui connaît exactement comment ça fonctionne, il doit te faire un devis qui va te donner une erreur ou une marge de 10 à 20% au plus. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a des erreurs que vous êtes en train de faire actuellement. L'argent va venir. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. Ton problème, c'est ce que tu fais avec l'argent. J'ai quelqu'un récemment, un ami. Son papa lui a laissé 4, 5, 6 terrains. Il pense qu'il est riche. Il n'avait même pas 2 millions pour mettre la maison viable, pour louer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une proposition alléchante. Il vend sa maison. Sur 10 mois, il a reçu des paiements. 100 millions partis comme ça. Quand ils sont en train de signer le dernier chèque de vente, il n'a même plus 2 millions en banque. Votre problème, ce n'est pas qu'on vous donne l'argent. Votre problème, c'est que vous ne connaissez pas gérer l'argent. Le volume est bon. Vous ne connaissez pas gérer l'argent. Je vous raconte souvent comment je suis partie de faire mes croquettes. Comment j'ai fait... J'ai vendu tellement de choses. Tu vois un jeune aujourd'hui, tu veux faire quoi? Oh, tu as l'argent, tu ne veux pas me donner. Donne-moi même 3 millions, je lance. Une fois, un autre jeune vient me dire qu'il veut faire l'alimentation. Là, c'est l'alimentation pour te dire que le loyer, d'abord, c'est 3 millions pour un an. Après, on a donné les 3 millions. On se retrouve en train de sortir encore peut-être 4 millions pour aménager. Après, il te dit pendant 3 mois, il n'arrive pas à payer les employés. Votre problème, ce n'est pas l'argent. Et vous êtes un pauvre, vous me suivez pourquoi? Oh, je suis fatigué de vous voir vous berne comme ça. Je ne vois pas l'activité que je n'ai pas encore dit sur ma page ici. Si c'est 5 euros que tu as, si c'est 50 000 que tu as, il y a le business de 50 000. Si tu ne peux pas, peu importe le business que tu fais, si tu ne peux pas prendre 50 000, tu développes, ça devient 100 000. Tu développes, ça devient 200 000. Tu développes, ça devient 300 000. Tu ne mérites pas qu'une banque te donne même 2 millions. Même si ton gars apporte l'argent, il te donne là, il ne t'aime pas.
Oh, c'est beau, tout le monde fait dans ça. Tout mais pour toi sur TikTok, ça parle de shopping. Je veux faire le shopping. Tu es folle? Oh, les bracelets. Comme je vois, elle vend ça vite. Je vais aussi faire les bracelets. Ne soyez pas bête, hein? Hop. Est-ce que vous m'imitez? Mettez-vous pour faire ce que je fais, non? Est-ce qu'il y a un problème? Je vous dis tout que je n'ai pas commencé le business aujourd'hui. Je n'ai pas commencé le business aujourd'hui. Maintenant, quand vous venez à moi, vous devez réussir. Avant que je ne parle, que les ancêtres mettent la main sur vos choses pour que ça marche. Vous-même, vous devez être sage. Tu es là, tu manques 5 000 par jour. On te dit, lève-toi à 4 heures, tu fabriques quelque chose, tu vas te poser à la boutique là-bas, on vend. Dans ta rue, il y a 20 commerces. Si tu fais les sucreries, tu viens vendre dans les 20 endroits là, ils vont acheter. Même si ça te donne 1 000 francs par jour pour manger. Bissa, je vais crier. Ça ne te plaît pas, il te bloque. Oui, que pourquoi il crie? Je vais crier. Tu as pointé combien aujourd'hui? Ton combat doit être le suivant. Chaque jour, je dois avoir au moins 1 000 francs qui entrent dans ma poche. Vous attendez que vos gars vous donnent l'argent. Ni, 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 comme ça là. Tu me suis même pourquoi? Oh! Je découpe le business. Jusqu'à aujourd'hui, aucun de mes employés ne vend la nourriture à l'autre. Hein? Aucun de mes employés ne vend la nourriture. J'ai 30 employés à Douala. Ça fait commenter. Je leur ai déjà dit, assois-toi, tu prépares, fais même le pain avec les boulettes. Si tu viens vendre, tu profites 1500 par jour. Tu ne peux pas vendre. Il y a les mères qui vendent la nourriture, elles ne vendent pas à 20 clients par jour. Le kio, là, comme on dit là, ça, vos têtes sont dures. Et vous souffrez. Tu peux acheter les bols. Quelqu'un m'a vu avec les locks. Il dit que, oh, tu as les locks. Monsieur, les locks, ça, c'est l'économie. Tu me suis, non? Mes habits, c'est 7-8 000. Ça, habits, c'est 8 000 francs CFA. Ça, c'est 8 000 francs CFA. Ça ne te plaît pas, tu laisses. Tu dépenses l'argent que tu as arrivé. Tu dois avoir trouvé que bon, j'ai besoin de. Je veux lancer mon restaurant. Il me faut la cuisinière. Il me faut la bouteille de gaz. Deux bouteilles de gaz. Tu dois avoir des plans et des stratégies sur ton argent. Et je vous ai déjà dit, si vous n'êtes pas entrepreneur, ça veut dire que vous êtes pauvre. Et vous ne pouvez pas acheter mes choses. N'est pas tu es sur TikTok, tu es comme ça là, tu es là. Te voilà. Avant de dépenser l'argent, gagne d'abord. Chaque jour, peu importe la planète là où tu vis. Landry, la tête te bloque, tu me sers à rien. Tu n'as jamais acheté un de mes produits. Oh, hakabum. Eh? Tu étais forcé à entrer dans mon direct. Tu ne sais pas combien de personnes souffrent ici dehors. Le père de mes enfants m'a abandonné. Le père de mes enfants m'a abandonné avec les enfants. Chaque jour, tu vas dépenser au moins 1000 francs. Même si tu te couches à la maison, tu dors, tu vas dépenser l'argent. Parce que la maison, là, tu payes le loyer. Si tu dépenses et que tu ne gagnes rien, tu as retourné à perte. Ton combat de chaque jour, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et je vous ai dit que l'argent, c'est en échelon. Trouve d'abord un travail qui te donne l'argent tous les jours. Un. Numéro deux, apprends. Tu es là depuis 6 mois, tu es au même endroit. Même salaire. Vous êtes bêtes. C'est normal que tu partes chercher l'homme qui va donner l'argent. Beaucoup d'entre vous, vous sortez avec les hommes. Parce que ce sont eux qui vont donner l'argent. Tu vas venir te plaindre après, pourquoi? Tu ne veux pas travailler? Comme il va souffrir, il prend l'argent, il va venir t'insulter avant de te donner l'argent là. Il va t'insulter bien même. Il va te menacer.
Tu n'es pas fatigué? Hop. Noir. Votre chaussis. Oh, you, non. À ce temps, tu croises les pieds. Pourquoi que voir les femmes souffrir, ça me plaît? On vous parle de tout là comme ça, on va la bouche ouverte. Quand tu cherches ton argent, un homme te drague, tu le fuis comme la peste. C'est tes petits 50 000 que tu vas prendre pour aller préparer la nourriture pour lui, pour qu'il mange. Au lieu de chercher comment tu vas mettre les choses pour tes enfants. Tes enfants partent dans les petites écoles. Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? Regarde l'école où ton enfant part. Parce que toi, la mère, tu dors. Pas souvent dans les écoles des riches, tu t'assois un peu à la porte, tu vois comment les gens, tu vois comment les enfants des gens là sont. Va, tu vois. L'enfant a son chauffeur, sa voiture, sa nounou. L'école même d'abord, c'est ton salaire de 3 ans. Ça ne te dit rien? Hein? Si tu ne vois rien pour tes enfants, hein, tes enfants vont finir comme toi. Retez-vous, au nom de Jésus, je ne serai pas. Le nom de Jésus sans travailler ne donne rien. Vous attendez seulement le gros agent avant de commencer. Le gros agent vous a fait quoi? Hein? Quelqu'un qui a son petit kiosque où elle fait frire les œufs, elle a un bénéfice de 3000 par jour. Est-ce qu'elle dépose 1500 de côté tous les jours? Elle est mieux que toi qui dis que tu attends de rencontrer l'homme. Un homme, je veux un homme riche. N'est-ce pas? Je veux un homme riche. Vous m'énervez ce soir jusqu'à... Je n'aime pas les femmes paresseuses. Et parfois, les hommes avec lesquels vous mettez en relation, là, sont eux qui vous rendent... Ils vous donnent l'aliénation dans la tête. Tu es assise. Mon mari va. C'est ça, hein? On donne les conseils, tu viens, tu dis que, ah, elle parle trop. Je vais bavarder, ça t'énerve, tu quittes ma page. La pauvreté, c'est une maladie. Je vous ai dit en journée dans le direct que j'ai fait. La seule façon de te venger de quelqu'un est réussir. Sois riche. Ta belle famille t'énerve. Ton ex t'énerve. Peu importe. Réussis. Et pour réussir, tu fais tout ce que tu trouves. Avec une stratégie. Avec une stratégie dans ta tête. Tu as eu un gigolo, au bout de 2 mois, tu as compris que c'était un gigolo, tu l'as viré. Très bien, tu étais sage, ma chérie. J'espère que tu l'as bien fait l'amour. J'espère que tu l'as. Il te dit que. J'espère que tu as même caché son truc avant qu'il parte. Tu laisses ta vie à qui? Tu laisses ta vie à qui? Tu m'écoutes, tu es couché sur le canapé. Les enfants là, ils ont mangé quoi? Tu as dépensé l'argent pour ça, non? Le principe de la vie est, soit tu manges, soit on te mange. Même si tu viens à côté de moi, tu veux me perdre le temps, je t'enlève à côté de moi. Je ne parle pas deux fois. Tu es là, tu vis chez quelqu'un, n'est-ce pas? L'argent mensuel, ton enfant tombe malade, c'est ta soeur qui doit payer les soins de l'enfant. Tu as les problèmes. Tu as les problèmes. Il y en a parmi vous-même là que tu as même peur de tomber malade. Parfois tu es couché à l'hôpital,
Ce n'est pas la maladie qui te rend malade, c'est le fait que tu ne sais pas comment tu vas pour payer la facture de l'hôpital. C'est dangereux. On va venir te dire que oh, tu exagères, tu pousses trop, tu es trop strict, tu es trop dur. La vie te donne les cadeaux. Depuis là, la vie t'a donné quoi, chérie? Qu'est-ce que la vie t'a donné depuis? Tu veux partir en Belgique, n'est-ce pas? Qui a apporté 2 millions venir te donner? Oh, ça c'est pour ton visa de la France. Tu sais, j'ai toujours cru en toi depuis que tu es petite. Va faire ton visa avec ça. Non, je te vois comme ça, là, tu souffres ici, tu as la licence. Je t'ai trouvé du boulot quelque part. J'ai donné 1 million pour qu'on te laisse entrer là-bas, dans le ministère. Hein? Réfléchissez. Personne ne va vous sortir de là où vous êtes. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez toutes mes vidéos, vous passez. Que je te suis depuis. Au départ, je trouvais que tu bavardais trop. Mais tous, j'ai grandi devant vous. Hein. Je suis sur cette page depuis mars 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 7 ans que j'ai cette page. Ceux qui me suivent depuis 2017, ils sont encore très peu parce que je les ai tous bloqués. Parce qu'ils ne me servaient à rien. Vous me regardez chaque jour, vous n'achetez jamais rien, aucun de mes produits. Je vous bloque. Donc si tu es encore là, tu me signales. Il y a encore une là qui s'appelle Christelle quelque chose. C'est depuis 2018 qu'elle me suit. Si tu as pris un de mes événements, ta vie n'a pas avancé, tu me signales, je te bloque. Quand demain, c'est un milliardaire. Tu vas même me chercher, tu ne vas pas me voir. Même une page où on peut me voir en direct, on ne va pas voir. Tu ne veux pas construire ta vie, pourquoi? Tu ne veux pas te construire, pourquoi? Un homme arrive dans ta vie, tu abandonnes tout. Je l'aime, il m'aime. Conjuguer le verbe aimer. Manger l'amour, vous buvez l'eau, on va voir. Quand tes économies vont finir sur le gars-là, tu vas lire l'heure. Lui-même, là, il va commencer. Tu vas voir, non? C'est l'amour. Il t'aime parce que tu as l'argent, chérie. Reste un peu, tu n'as pas l'argent, tu vas voir comment il va faire. L'amour sans argent. L'amour sans argent est dangereux. Kotakanang. Kotakanang. Depuis que tu m'écoutes, si tu commences un business. Voilà, bénédiction dit qu'elle me connaît depuis 2 mois. Ça fait bientôt 3 mois que tu me connais. Ta vie a déjà changé. Voilà, bientôt tu prends ton kit des envoûtements. Tu as même, en 1 mois que tu m'écoutais, tu as pris le kit fondation. Tu vois. Donc, quand tu m'as envoyé le jus, je vais boire le jus avec ce que tu m'as envoyé là. Merci. Il faut que tu pointes, si tu m'as envoyé 5 000, que ça se multiplie par 100 demain. Tu te fais une grosse entrée financière demain. Il y a une personne qui est venue ici là hier, elle m'a promis la nourriture. Que oh, je vais te faire la soupe du pêcheur. On reste, on appelle, elle ne décroche pas. Après, elle m'appelle vers 18h, elle dit que oh, désolé. Je dis que tu faisais quoi? Elle dit je pointais. Je dis que oh, tu es ma vraie fille. On pointe. Tous les appels là, c'est pour te prendre l'argent. Hein? Tous les appels manqués là. On a besoin de ton argent. Faut me laisser pointe, s'il vous plaît. Oui. Fini de pointer, tu prépares ma nourriture, tu envoies et mange. Et te baigner encore et mort dessus. Oui. Elle se payait quand elle vient d'ouvrir le restaurant, ça n'allait pas. C'est ça qu'elle me disait hier. Elle est venue, elle a pris les produits, je m'en rappelle parce qu'elle a pris. Aujourd'hui, elle était tellement occupée. C'est ça que je veux, c'est les bonnes occupations. Les clients t'appellent, tu pas faire. Va, tu pointes. Va coiffer. Va faire la nourriture. Oui. Tu vas acheter mes produits avec quoi? Tu vas payer ta dîme avec quoi? Ernestine, mes numéros sont sur la page. Vous achetez les kits. Il y a les kits fondation, il y a les poudres de désenvoûtement, il y a les produits comme ça là. Ça vous débarrasse des maris de nuit, les choses comme ça là. Voilà la sauge.
Il y a les produits pour les chiens là, ce qu'ils appellent l'argent. J'ai tout ça là. L'autre, c'est là, tu brûles ça dans le magasin. J'ai créé un nouveau produit l'autre jour, sel même percé. Voici ça. Oh, sel même percé. Sel même percé, reine lumière. Ça là. Voilà la crème pour le corps. Ça s'appelle Illumine ma vie. Tu prends ça, tu te ouvres avec. Tu as n'importe quel contrat que tu allais signer là. You go signer. Hey, tu veux commander pour m'encourager? Fais ça, une offrande. Ne commande pas. Ce que tu vas pas utiliser. Tu as compris? Commande mes produits parce que tu es prête à faire ton combat avec tes démons. Ne prends pas mes produits, tu mets ton étagère. Tu gardes ton argent. Tu as compris, chérie? Quand vous achetez mes produits, vous n'utilisez pas, je vous gronde. Bien. Que choc. Comme tu vois, il bavade là, c'est comme ça qu'il bavade. Tu attends que ta vie dort, tu es malade. Voilà la crème, illumine ma vie. Moi-même, je vais tester ça ce soir. Et composer ça. Tu es à Douala. Il y a tout ça à Douala. Prends le numéro. 237. 237 693. 50 22 66. Ok, Ernestine. Si tu vas utiliser, c'est bon. La crème, c'est là. En mettant ça sur ton corps, tu parles. Je vous ai dit que ne dormez pas. Tu ne sais pas lequel de mes produits acheter. Tu as trois entreprises. Prends le kit commerce. Prends le kit commerce. On devait s'appeler aujourd'hui. J'ai fait des soins, j'ai fait une consultation physique. Non, pas physique. J'ai fait des soins, j'ai consulté une personne aujourd'hui. Le seul même percé, c'est 10 000. Donc, quand elle dort là, ma tête là, on m'inspire les nouveaux produits. Si tu viens encore au magasin à Abidjan, tu vas voir les nouveaux produits. Il y a la crème illumine ma vie. Ça, c'est la crème illumine ma vie. Ah, c'est le sel pour les mêmes PC. Pour vos locaux, je vais sortir une autre version du kit commerce. On m'a inspiré un truc là que tu mets dans ton... pour nettoyer le sol du local. Et l'autre, tu brûles. Ok, si tu es au Canada, tu vas faire un PayPal. Oui, c'est pour toute peau. Ce n'est pas une crème décapante. C'est avec du beurre de karité. Le magasin Abidjan, c'est à Bellecôte. En face, pas très loin du supermarché Bellecôte. Ok, je vous donne le numéro d'Abidjan. Prenez de quoi noter, je vous donne les numéros. Prenez les numéros, vous écrivez sur WhatsApp. 237 693. Ça ne fait pas un bail, c'est toi qui ne te pointe plus dans mes directs. 693 50 22 66. Oui, tu peux faire le RIA. 237 693 50 22 66. Le numéro d'Abidjan, c'est le 074. Non, ça c'est pas Abidjan, ça c'est Libreville. Libreville, c'est 074 18 00 80. Ça c'est Libreville. 074 18 00 80. Pour le Congo RDC, écrivez sur le numéro du Cameroun. On va vous donner le numéro, s'il vous plaît. Le numéro pour faire M-Pesa ou Airtel Money. Ah, c'est toi que je devais appeler à 15h de Douala. Non, à l'heure là, j'ai eu des imprévus. Aujourd'hui, j'étais quelque part. Je sais pas là où j'étais. Ouais. C'était toi. Tu sais que j'ai déjà une dame qu'on se parle aujourd'hui. La crème illumine ma vie, c'est 25 000.
Abidjan, c'est 30 000. Au Cameroun, c'est 25 000. Maintenant, je suis en train de chercher. Je vais sortir des génériques, c'est-à-dire des crèmes chargées spirituellement, mais qui ont un coût de format familial. C'est un coût de préparation. Format familial, déjà que tu prends les enfants, peut-être pour 20 000 par mois, tes trois enfants peuvent se oindre. Voilà. Et ils sont protégés en même temps. Écrivez sur le numéro là, vous demandez le numéro du Burkina. OK? Le numéro d'Abidjan, c'est le 0779-02-52-05. 0779-02-52-05. Pour l'Angola, on poste par DHL. Madame Zavi! Madame. Oui. Vous avez votre clé? Non, pardon, appelez la dame là. C'est qui devait envoyer le livreur ici? C'est qui qui m'envoie la nourriture là? Où est le téléphone? Ah, 0779-02-52-05. Ça, c'est pour Abidjan. Vous mettez 225 devant. Ria, vous faites au nom de AB Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. Ça, c'est le nom de famille. Et le prénom, c'est Charles, avec S à la fin. Bronson, B-R-O-N-S-O-N. Ça, c'est le nom pour Ria. Maintenant, écrivez sur le WhatsApp ou bien en inbox de Facebook. On va vous envoyer. Parce que quand tu fais le Ria, il faut que tu envoies les détails, le code pour retirer l'argent. Donc, tu as besoin de m'écrire.